Et ouais, ça team, j'espère que vous allez bien, c'est Costar. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Vidéo spéciale. Déjà, avant que la vidéo commence, je tiens à dire, comme d'hab, like, abonne-toi, active la cloche, ça fera toujours plaisir, la base de la base. Et je tiens à dire, je m'excuse encore parce que ça faisait déjà une semaine que j'avais plus sorti vidéo. Genre, j'étais à court d'inspiration. Alors, ce que j'ai décidé, tu vois, genre, c'était de faire une vidéo, tu vois, une vidéo différente. Bah, un live, tu vois, vu pour me rattraper et tout. J'ai fait un live de 2 heures qui a bien marché. Je vous remercie encore pour les 1300 vues, ça fait vraiment plaisir. Et là, dans cette vidéo, les gars, ça va être une vidéo totalement différente. Cette vidéo là, bon, pas différent vraiment que ça, mais bref. Ah oui, la team pause avant que la vidéo continue. Je tiens à dire, abonnez-vous tous à la chaîne de Dehors. C'est celui qui m'a aidé à trouver toutes les motos. Sans lui, j'aurais peut-être pas sorti cette vidéo. Alors allez tous vous abonner à sa chaîne. Sa chaîne en description. Vraiment, abonnez-vous. Ça me fera vraiment plaisir à moi et à lui aussi. Et voilà quoi. Je vous laisse sur cette vidéo. Allez, ciao les potes. Dans cette vidéo, ouais, je me la pète avec le skin, y a un problème. Bref, je vais vraiment entrer vraiment dans le sujet parce que là, vraiment, genre, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer où sont placées toutes les motos dans la map de Kratis Destruction. Car j'ai eu beaucoup de MP, que ce soit Discord et tout, pour expliquer. Oui, Costa Roche, elles sont, je vois des motos, mais est-ce que et je peux les gars, on se retrouve là avec des joueurs, celui qui va fait, c'est présenter de faire une vidéo pour montrer toutes les motos qui sont Kratis. Comment tu as fait entendu parler qu'il y en avait 4, mais bien sûr, il y en a pas 4, il y en a très peu. Et je lui avais dit si je connaissais les motos et tout, et j'ai décidé de vous les montrer en vidéo. Alors, je lui ai dit si ça serait possible qu'il nous les montre en vidéo. Je te remercie encore des voix parce qu'il a visité grâce à lui, ou peut-être sans lui-même, j'aurais jamais réussi à pouvoir faire cette vidéo. Il connaît toutes les motos sur Kratis Destruction. N'hésitez pas à l'offrir de la popularité juste pour le remercier de ce qu'il a fait pour moi. Je te remercie encore des words de m'aider et de m'avoir aidé pour les motos. Et là, je vais vous présenter toutes les motos. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il n'y en a pas 4 comme on disait, parce que avant que les motos sortaient, j'avais entendu dire qu'il y en avait 4. Il y en a une cinquantaine, pas cinquantaine, je veux dire, mais vraiment plus d'une dizaine. De toute façon, tu vas les voir dans la vidéo. Et bon, je vais faire beaucoup de coupures, les gars. Oui, je parle rapide, il y a un problème. Bref, les gars, je vous laisse. Et bah là, je vais commenter en même temps. Bref, vas-y, c'est parti. Bon, je vais vous montrer la première moto. Let's go. Ok, alors la première moto se trouve à Phare du Silence, un peu en haut à droite de la map, comme vous pouvez voir. La voilà, la première moto. Elle est magnifique, elle est drôle. Voilà, non mais les gars, vous allez voir durant la vidéo, voilà quoi, il y en a plusieurs. Ah oui, je tiens aussi à dire, j'ai une côte blédard, alors voilà quoi, je tiens à le dire. Voilà, juste comme ça. Bref, les gars, vas-y, je continue, je vais vous montrer la deuxième moto, Zori. Ok, les gars, voici la deuxième moto qui... Ouais, quelle... Bon, là, je suis en train de bégayer ou je sais pas comment ça se fait, mais je bégaye un peu. Bref, voici la deuxième moto, voilà, elle est magnifique aussi, bref. Là, voilà, deuxième moto qui se trouve au i, on peut dire ça, de paradisiaque, tu vois. Lui, voilà quoi. Bref, t'as capté, on se retrouve maintenant pour la troisième moto, c'est parti. J'essaie d'aller rapide, juste pour que ça soit pas une vidéo trop longue, pour pas vous faire perdre du temps. Bref, les gars, c'est parti pour la troisième moto. Je vais vraiment pas me le cacher, mais l'ellipse, elle a servi à rien, parce que je vous montre la troisième moto, en fait, elle est vraiment, vraiment à côté de faire du silence. Ah oui, je crois que c'est à ce moment-là où ma courbe va commencer vraiment à bugger. Regardez mes pings, comment c'est en train de disjoncter. Juste pour dire vraiment que j'ai une chance de merde. Parce que là, durant, je crois, 2 ou 3 minutes, Bako va vraiment, vraiment, vraiment bugger. Mais de toute façon, il y aura des coupages de vidéos. Alors, au calme, ça va pas. Vous n'allez pas trop voir les bugs. Si, un peu, mais voilà quoi. Bref. C'est parti pour la quatrième. Bon, alors, voici la quatrième, les gars. Désolé si on va passer. Voilà, elle est à gauche, comme vous pouvez le voir. Sauf que le problème, c'est que vu ma coup, elle a des bugs et tout. Limite, je crois qu'il a pas cramé la quatrième. J'en ai aucune idée. Bref. Ah oui, on avait une au, comment dire, vers la prairie violette. Mais je crois qu'il l'a oublié, celle-là, la prairie violette. J'en suis pas sûr qu'il y en a une. Mais bon, vas-y, les gars, on part pour la cinquième moto. C'est parti. Voici la cinquième moto qui est vers, si je me rappelle bien, le truc des oursins ou je sais plus trop quoi. Ouais, voilà, pays merveilleux des oursins, des oursons, pardon, mais je comprendrai jamais pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que des oursons, vraiment, je trouve ça un peu bizarre. Il n'y a pas d'ourson, il n'y a pas d'animal. Bref, vas-y, la moto, elle était là. Voilà la cinquième. On passe à la sixième. Let's go!
Ouais, je viens de me réentendre parler, je me suis trompé. Là, on est à la septième. La sixième, c'était celle d'avant. De toute façon, c'est écrit en bas à droite le nombre de motos que là, on a utilisé, bien sûr, qui est utilisé envers la map. Toutes les motos qui y sont dans la map. Sauf qu'on en a raté une à Tilted, dont la prairie violette. Dommage qu'on l'a raté, mais bon, de toute façon, ça, je la comptabilisera quand même en fin de vidéo. Voilà, bref, on est à la septième moto. On passe à la huitième. C'est parti. Ah bah en fait, ah bah ok. En fait ça a été trop vite pour moi. Bah voilà, en fait la huitième elle est là. Si je comprends bien, la huitième elle est là. Bref, j'ai encore des problèmes de connexion internet, ça changera pas. Bref, la huitième elle est là, on passe à la neuvième, c'est parti. Bref les gars, voici la neuvième moto qui est là. Bah bravo, enfin juste à chaque fois il envoie toujours des commentaires en pleine vidéo. Lui vraiment c'est un juice gosse. Bref, la neuvième moto elle était là-bas. Maintenant voilà, là on va pas s'arrêter parce que la limite, la prochaine moto, on est bientôt arrivé. Bah regarde, elle est là, voilà, la dixième moto, elle est là. On est déjà à 10 motos en disant qu'il y avait des personnes qui disaient qu'on n'y en avait que 4, on a vraiment beaucoup. Bref les gars, c'est parti, on part à la onzième. Bon les gars, voici, on est à la 11e moto, bien sûr, comme vous pouvez le voir, encore Mako bug. Quand je lève, je sais pas pourquoi Mako elle bug pas, mais bon, je préfère que je bug, que Mako bug pas quand je lève que quand je lève pas. Limite, parce que voilà, quand je live, si Mako bug pas, tu vois, c'est déjà bien, tu vois. Bref, c'est parti, là, on est à la 11e moto, si je me rappelle bien, on va partir à la 12e, c'est parti. Ok, il est bon, ouais, c'est bien. Il est bon, non, 12, ouais. Vas-y, j'arrête vraiment. Bref, la 12e moto se trouve en bas à gauche de la source mystérieuse. Bien sûr, elle est là à côté de la maison. Voilà, vas-y, go y aller. Maintenant, on parle à la 13e moto. Ouais, les gars, c'est parti, les gars. Je suis désolé, je suis pas vraiment motivé. Je suis crevé, je suis fatigué. Je suis tout en même temps. J'ai des devoirs à faire. Alors, ça devient chaud parce que même si je suis en confinement, c'est bah là, déconfinement. Mais voilà, quand on est tous chez nous, bah la moitié des personnes. Bref, je suis crevé. T'as compris ou pas? Bref, les gars, c'est parti. On va chercher la 3e moto. Let's go. Bon, bref, les gars, voici la 3e moto. Vous allez vous dire, ouais, t'étais en moto, comment tu fais pour être en l'air? La moto, elle a juste explosé. Ouais, je sais, c'est stupide à croire, mais elle a vraiment explosé la moto. C'est bête. Bref, voici la 3e moto, les gars. Eh, les gars, c'est abusé les motos qui en ce moment sur Crash. Il y a trop de motos, on dirait des voitures. Non, non, mais vraiment, c'est un fou ce Dehors. Comment il peut connaître toutes ces motos? Là, on est à la 14e moto, les gars, c'est abusé. Dehors, il connaît toutes les motos du jeu, les gars. C'est insane. Bref, on se retrouve, je pense, pour la 15e. Moi, ouais, je crois que ça va être la dernière moto, la team. Voici la 15e moto, les gars. Je pense pas vraiment que c'est la dernière moto. Je pense qu'il y en aura une autre 16e. Bref, celle-là, c'était la 15e moto. On se retrouve vite fait pour la 16e. C'est parti. Bref, la team, voilà la 16e et ultimate et dernière moto, les gars. Bref, il a oublié de comptabiliser celle-là aussi devant Tilted. Regardez, je vous montre le screen. Voilà, il a oublié de comptabiliser celle-là. Bref, quand même, on s'en fiche vraiment de ça. Et voilà, quoi. Bref, la team, là, on va se retrouver juste dans la petite accueil pour faire un petit truc, un petit récapitulatif. Voilà, t'as capté. Bon la team, vraiment, je vous remercie encore pour ceux qui sont restés à la fin de la vidéo. Je vous remercie encore la team. Pour ceux qui se sont pas encore likés, pour ceux qui n'ont pas encore fait la base de la base, like, abonne-toi, active cette cloche aussi. Parce que si tu es au courant des prochaines vidéos, voilà, t'as capté. Bref, la team, je tiens encore à vous remercier bientôt les 4K d'abonnés. Vous êtes les best. Ah oui, j'ai oublié aussi de dire encore la chaîne de Dewar dans la description. Sa chaîne, n'hésitez pas tous à aller le follow. Ça me fera plaisir à lui comme ça me fera plaisir à moi aussi. Bref, la team, j'y vais. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde. C'était Costa Roche. Peace.